C'est parti pour une dernière. Une petite dernière vidéo avec cette petite icône. Ça fera 5 vidéos avec la même image de présentation, 5 titres différents, uniquement 4 accessibles du public, une étant un doublon provoquant un échec interne. Bon, ce sont des. Ça, c'est ce que je viens de dire là, c'est uniquement pour ceux qui comprennent rien à l'informatique. En réalité, comme je suis seul à faire ça, YouTube rigole en ce moment. Cet échec de la mise en ligne vidéo déjà en ligne, identifiant et identification vidéo en double. Machin, 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 machin. MWS 9K 7L 9 DQ. Oh là, il vient de me donner sa façon de référencer ses vidéos. En fait, ce sont des erreurs prédéterminées. Ça veut dire que quand ça pète, hop, il y a une partie du programme qui s'active pour contrôler l'erreur dans l'application générale. Donc c'est une erreur sans conséquence. Enfin, si, il y a des conséquences, mais c'est une erreur traitée. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'avec les messages, ils montrent que les erreurs qui sont traitées. Ça montre pas les erreurs qui sont pas traitées. C'est pour ça qu'on n'est jamais connu. Mais le mail entre du malin. Ouais, vous aurez compris, on s'en fout de ce que je dis. L'essentiel, c'est de rajouter une autre vidéo avec cette petite icône. Cette petite image, la même depuis 4 vidéos, 5 maintenant avec ça. Uniquement 4 accessibles. Oh. C'est cohérent tout ça en plus. C'est syntaxiquement possible. Oh là là, si on était des millions à faire ça, oh con. En ce moment, je suis en train d'enregistrer avec VLC et il y a le curseur qui clignote. Si on était des millions à faire clignoter ce curseur et à le bomber dans YouTube. Oh là là là. Quel massacre qu'on pourrait faire. Il faudrait qu'on se renseigne sur la capacité totale et voir en combien la bande passante de YouTube et voir en combien de temps théorique on pourrait écrouler leur serveur si on arrive à remplir cette bande passante avec nos envois. Ça dépend. Ça dépend s'ils ont pensé. Ouais, ils ont pensé au coup, c'est des pros, hein. C'est Big Brother. Peut-être ils sont mis 2 3 jours de 2 3 jours de ils sont peut-être mis 2 3 jours de non, en plus 2 3 semaines. Peut-être ils se sont mis 2 3 semaines de répit avant de devoir traiter le problème. Genre, si la bande passante est prise à fond sans s'arrêter. C'est parti pour une dernière. Une petite dernière vidéo avec cette petite icône.
Ça fera 5 vidéos avec la même image de présentation sans VLC. Et dans combien de temps serait-il nécessaire si on remplit cette bande passante pour remplir l'ensemble des serveurs YouTube? Voilà. Bon, allez, on va arrêter là. C'est la quatrième fois que j'ai l'icône Windows qui s'allume. Enfin, bref. Plus, plus. Force et honneur à tout le monde. Vive la France et vive le Christ. Amen.